Parce que d'habitude, je finis tout le temps, ça monte crescendo au niveau de l'émotion. Donc je me suis dit, là, je vais étaler. Comme ça, ça va peut-être me permettre de maîtriser un peu mieux. Donc je vais d'abord commencer par ma chérie, qui est je sais pas où. Qui est à la buvette. Bah. Donc bah, je la remercie parce que... Ah putain. En fait, parce que bah, elle supporte toutes mes idées, là. Je pourrais être un paysan tout simple, traire mes vaches, mettre ça dans le tank, mais non, j'invente des trucs. Alors forcément, ça me fait un peu travailler le matin, le soir, la nuit. Donc des fois, je suis pas trop de bonne humeur, mais bon. Voilà, bah merci, ma chérie. Donc après, bah, là, il y a moins d'émotions. Je remercie la ville pour les autorisations, la ville de Mayenne. Je remercie la commune de Grazey pour les tables et les bancs. Je remercie la fromagerie d'Entram à laquelle je fais partie pour le stand dégustation et la vente d'Entram Tradition qui est un délice. Donc n'hésitez pas à y aller. Hein. Et s'il en manque, il y en a le vendredi à la ferme. Comme ça. Alors après, l'arborescence pour la bière, Shop et compagnie pour la tireuse, les saucisses de la boucherie au fil de l'herbe, les chips de la ferme de la Ruade, je sais pas où il est le chef, j'espère que vous les trouvez bonnes, c'est cool. Tac. Toutes les personnes qui m'ont aidé les années passées pour la salle de traite, parce qu'à la base, il fallait traire les vaches ici, et puis tout ça, c'est du plus, donc on n'était pas obligé de le faire, mais on l'a fait quand même. Badenia Folie et Seco d'être là aujourd'hui. C'est cool d'avoir un peu de musique quand il fait beau et tout. Hop. Donc ça c'est fait. Xavier Hegel, le maraîcher boulanger là, pour la compotée d'oignons. C'est excellente aussi, faut l'admettre. Hein. Et puis donc voilà. Xavier qui fait du... Ah ouais, il est parti chercher du charbon. Ouais, il fait du super pain pareil. Mais pas aux graines, pas nature. Hein, que vous pouvez avoir à la ferme le vendredi. Ça, putain, bah si, il y a la remorque à Gaëtan, Gaëtan Locré pour la remorque, ça, j'en remercie les cuiseurs de saucisses, ouais, qui, je sais pas, ils entendent pas trop, j'en remercie aussi Dominique et puis Didier à la tireuse, là, donc j'en remercie, putain, j'ai beaucoup de monde à remercier, j'en remercie Ludo Trouve-Tout. Je sais pas où il est, Ludo. Ludo trouve tout. Donc, bah en fait, quand vous avez besoin de quelque chose, vous appelez Ludo, il l'a toujours. Tu demandes n'importe quoi, il a tout le temps ce qu'il faut. Pas vrai? Il a tout le temps. Ouais, des tonnelles? Ouais, c'est bon, j'en ai. Ouais, des chaises et des bancs? Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Il a tout le temps ce qu'il faut, donc ça, c'est cool. Ouais, c'est chaud. Et là, ouais, je vais remercier la future association. L'association Bouintou et compagnie. Donc, je sais pas où ils sont, là, les membres actifs de l'association Bouintou et compagnie. Donc, en fait, ils sont toujours là pour n'importe quel bouin, quoi. Ils y connaissent pas grand-chose, mais ils font tout avec rien, et ça, c'est cool. Bon bah j'espère que vous allez passer une bonne après-midi et puis bah rendez-vous soit au retour ou à l'année prochaine, il y aura peut-être d'autres trucs encore. Je sais pas ce qu'ils vont inventer les gars. Allez ciao. Et merci pour les vaches. Comment vous est venue l'idée de la transhumance? Je me dis qu'au lieu d'emmener les vaches dans un camion, on peut les emmener à pied comme ils font en montagne. On a dû vous prendre pour un farfelu au début. Un petit peu. Et aujourd'hui? Bah je crois qu'on prend toujours pour un farfelu mais ça marche. Vous êtes tout seul à faire ça dans la région? Bah ouais, à traverser les vaches dans une ville, je pense, ouais. Parce qu'à part les Alpes... Bah c'est ça, c'est en montagne, quoi, mais on a des copains montagnards et qui font ça depuis quelques années, et je vois pas pourquoi eux le font en montagne et nous, on n'arriverait pas à le faire, quoi. Vous avez voulu rivaliser un petit peu? Non. Non mais bon enfant. Ouais, on fait le même esprit, et puis un esprit de convivialité, ça c'est cool. Et madame est d'accord? Bah elle est obligée. Mais elle dit quand même, c'est quand ça va trop loin les idées. Parce c'est que bien. Vous avez souvent d'autres idées? Bah ça vient vite quand on invente des trucs comme ça, après ça fuse quoi. On voit les gens qui sont contents, on dit oh, l'année prochaine on va faire ça. Il y a déjà des idées là avec l'équipe là.
Ah bah bienvenue, je suis content, il y a du monde, c'est cool. Alors, petites instructions là, il y a des habitués, je vois là, des têtes qui sont déjà venues, puis d'autres qui sont pas encore venues, donc là les vaches elles sont juste au-dessus là-bas, on va tous se placer au-dessus, et puis il va pas falloir faire trop de bruit de façon à ce qu'elles sortent toutes en même temps. Donc là il y a 2-3 gars, le gars avec l'enrouleur, il a dire avec moi, et donc on va toutes les sortir, une fois qu'elles sont toutes sorties, il en faut... Je sais pas, il faut 7-8 devant quoi quand même, au cas où là pour les retenir. On va aller sur la voie verte faut personne sur les côtés. Une fois qu'on va être sur la route, qu'on va arriver sur la route de Wasso, là il va y avoir des gens qui vont se mettre sur le côté, j'ai pas prévu de cordes cette année. Ça fait 2 fois qu'on mettait des cordes là, mais cette année on essaye quoi. Donc voilà, petit défi là. Donc à vous de bourder quoi. Ok. Moi, je suis nul. Donc faut vous mettre sur les côtés. Par contre mettez-vous bien large de façon à ce que si les vaches elles veulent aller sur les bas côtés, faut les laisser aller sur les bas côtés quoi. Et s'il y en a une qui commence un peu à divaguer, bah voilà, vous tendez les bras comme ça et puis vous faites. Donc voilà, ça et puis. Ouais, voilà, à vous d'être disciplinés autant que mes vaches, ça ira. On va arriver dans Mayenne, vu qu'il n'y a pas de ficelle, s'il y a des gens sur le côté qui peuvent se mettre sur qu'on va arriver dans Mayenne, sur les ronds-points, tout ça, s'il y a des panneaux, se mettre devant le Thank you.
Là-bas. Oh.